Mais sur la question de l'institutionnel, donc vos recherches qui sont autour du statut d'affranchi qui est encore le nôtre, se base aussi sur le fait que le code noir n'est pas vraiment N'est pas aboli. aboli, tout à fait. Voilà. Donc peu de nos compatriotes le savent, que le code noir n'est pas aboli et ça n'est pas de faute de l'avoir demandé. C'est la Absolument. France qui refuse. Tout à fait. Alors dans une telle situation, la conséquence, c'est que si quelqu'un décide aujourd'hui de nous remettre en esclavage, le cadre est déjà là. Oui, absolument. Surtout, le cadre est déjà là, mais le conditionnement mental est déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, que n'importe quel psychologue ou sociologue ferait un travail immédiat sur, je dirais, la vision. La mentalité des Noirs en Martinique, On vient de le eh bien, voir oui, tout à fait, avec le football. absolument, eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? On constatera qu'en effet, eh bien, c'est une mentalité, c'est un conditionnement qui est structuré sur la reconnaissance, en fait, de son inhumanité, à savoir de son infériorité par rapport aux Blancs. Et donc, c'est une situation, même s'ils disent le contraire, mais ils se sont socialisés dans ça, les comportements, mais pas seulement les comportements, lorsque, en fait, ils ne sont pas, je dirais, ils sont dans une certaine spontanéité, dans une socialité spontanée, etc. On le voit. C'est seulement lorsqu'ils essayent de cacher la réalité, qu'ils disent non, 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 nous sommes Français, nous sommes de l'Angleterre, qu'est-ce que tu racontes là, etc. Mais en réalité, tout démontre ça. C'est ce que j'appelle les comportements. Voilà. Ils sont tout naturellement, ils se conçoivent comme des inférieurs, et dès que les gens font quelque chose, ils disent moins anti-matinitié qu'au moins, ou moins anti-nègre qu'au moins. Et on est toujours dans les petits, dans les tout petits, dans les dimensions réduites. Et ce travail sur le, d'ailleurs, sur le discours qui mériterait d'être entrepris, ne l'a pas encore été. Mais voilà, par exemple, dans toutes les recherches qu'on a à faire, au lieu de batifoler dans je ne sais quelle sphère qui ne nous apporte rien dans la connaissance de nous-mêmes, voilà des choses que nos chercheurs pourraient faire. Voilà. Alors, monsieur, vous, donc, il y a plusieurs ouvrages à votre actif. Oui. Alors, Ne m'appelez pas créole, que j'ai publié finalement en 2006, Ne m'appelez pas créole, et où, en effet, j'ai eu l'opportunité de démontrer que eh bien, nous ne sommes pas créoles. Et nous le savons, nous ne le sommes pas. Créole est une identité esclavagiste. C'est une des identités, en fait, le noir devenait créole, en fait, et reconnu comme créole lorsque, en fait, il était considéré comme suffisamment domestiqué, c'est-à-dire qu'en fait, être un être, en fait, qui se conforme suffisamment aux valeurs et au goût du colon. Et donc, voilà, accepter sa place, le nègre domestiqué. Mais il y avait aussi cette vision, mais il y avait le fait que les Blancs avaient compris que quand les Noirs sortaient d'Afrique, ils avaient une culture, qu'ils étaient résistants, et ils ont décidé de produire des esclavagés sur place. Absolument. Donc, l'intention, c'était bien de faire naître une catégorie d'hommes qui n'aurait pas de racines et d'enracines dans l'ailleurs. Voilà, qui se conforme, comme je disais tout à l'heure, au paradigme créole, c'est-à-dire au système, l'autre civilisation. Qui serait totalement leur sujet, puisqu'ils n'auraient pas d'autres référents. Exactement. Ça. Alors, je précise là-dessus qu'à ce sujet, vous savez, c'est Confiant, Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau ont été ceux qui, au début des années 80, ou en fin des années 80 plutôt, ont écrit 89, en fait, 89, l'éloge de la créolité, et que, en particulier, je veux dire, le leader intellectuel, en fait, qu'est Jean Bernabé, a eu, en fait, à revenir là-dessus et à dire et à écrire, en fait, il a commis un ouvrage, le dérive identitariste, notamment, avant son décès. Où il dit clairement, en fait, que nous ne sommes pas créoles et qu'ils avaient, à l'époque, lorsqu'ils avaient écrit ceci, eh bien, il explique, en fait, qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires sur quelle identité. La question, qui je suis. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ont commis ces erreurs. Monsieur Confiant aussi a remis en cause plusieurs fois cette idéologie et il la reprend quand ça l'arrange. Donc, on a quand même quelques difficultés à bien comprendre où est-ce qu'il se situe très exactement. Voilà, donc il y a Ne m'appelez pas créole. Il y a Moon, Fini la névoise créole. Moon, Fini la névoise créole. Justement, Moon
Et là, c'est le concept de personne humaine, d'être humain, mais enraciné dans notre civilisation. Oui, qui est un mot Congo, non? C'est pas un mot. Oui, Kun, qui vient de Kikongo. Kun, qui veut dire personne humaine. Personne humaine, humain. D'accord. Que nous avons dans notre langue. Qu'on retrouve Muntu. Dans notre langue. Ça veut dire qu'en fait, tous les êtres humains, quelle que soit leur tangibilité, leur apparence, ont la même nature humaine. Bien sûr. Tout le monde, c'est Moun. Et à côté du Mounet qui sévissait dans les plantations, le mot Moun a survécu aussi. Absolument. En parallèle. Il a été tout le temps ce rappel en balance entre l'objet et l'être humain sans arrêt. Parce que le mot Moun est très utilisé dans notre langue aujourd'hui. Absolument. Et, on le sait, c'est aussi le terme qu'on utilise pour exiger à soi-même le recentrage en tant qu'être humain, mais pour exiger de l'autre aussi ce recentrage et le réveil spirituel. Vous comprenez le monde, pas c'est monde. Nous tous c'est monde. Baki moun nous pas encore. Comprenez pas monde. Voilà. C'est très important. Il y a ce recentrage. Oui, autrement dit, nous avons, par conséquent, c'est ce que ça signifie, que nous avons ce tronc, cet enracinement. Oui. Commun. Sauvegarder. Donc on sait lorsque l'on dit ça, ce que l'autre sait. Voilà. La philosophie africaine. C'est l'enracinement, c'est le enracinement civilisationnel. Voilà. Elle est gardée dans cette expression. Tout le monde c'est monde. Et puis, Madame Valentin. Alors, moi de mon côté, j'ai surtout travaillé au début. Départ sur les contes de tradition orale martiniquais, qu'on appelle à juste titre contes créoles, puisqu'effectivement la philosophie que véhiculent ces contes était justement une philosophie créole. Et donc j'ai eu à démontrer que justement cette philosophie que nous avons tendance à apporter comme une référence était une non-référence, une non-valeur. Donc, chemin faisant, donc j'ai pu entrer vraiment dans le concept de la créolisation et de la décréolisation. Et j'ai dû à travailler sur ce conflit civilisationnel que nous vivons, que justement Dominique vient d'exprimer quand il dit qu'en nous-mêmes, nous avons cette volonté d'être des mounes, et que d'un autre côté, nous voulons aussi être des créoles. C'est-à-dire que nous vivons en permanence un conflit civilisationnel qui fait que nous avons tout le temps des questions à nous poser sur nous-mêmes et nous avons une perte d'estime de nous-mêmes qui est permanente, même si nous cachons effectivement cette situation dans laquelle nous vivons. Et qui fait que nous sommes tout le temps dans l'irresponsabilité ou encore dans le manque de... nous ne savons pas faire les choix, les bons choix qu'il faut pour nous réaliser. Ce qui veut donc dire que dans le travail que je fais, je n'ai pas de publication d'ouvrage particulier, mais j'ai de nombreux articles que j'ai publiés dans des ouvrages collectifs et donc qui travaillent sur ces questions, sur ce qu'on appelle notre culture et que je préfère se nommer notre civilisation parce que nous savons très bien que dans cette société, on a souvent opposer la nature à la culture et en faisant croire que nous n'avions pas de civilisation. Alors que justement, nous avons une civilisation africaine et nous relevons en Martinique de cette civilisation. Donc, c'est dans ce sens-là que je travaille dans le cadre de mes recherches et affirmer justement que la Martinique a une civilisation africaine, c'est celle des Mornes. C'est une civilisation purement africaine et elle n'a rien de créole. Ce qui veut donc dire que nous avons à revenir en arrière pour reprendre la main sur nous-mêmes et reprendre la main sur notre civilisation. Ce qui veut donc dire que ceux qui disent que le passé est le passé et qu'il faut faire table rase et pour aller de l'avant, je crois qu'ils se trompent et qu'il faut à tout prix que l'on soit persuadé, l'on convaincu même que sans racine, on ne peut pas avancer. Sans notre civilisation, sans en avoir conscience vraiment, parce qu'on fait des choses qui sont de notre civilisation, mais nous ne les acceptons pas comme des éléments civilisationnels. Mais est-ce que nous serions le seul peuple
à ne pas pouvoir aller de l'avant parce qu'il a une culture dans laquelle il veut s'enraciner. C'est aussi, c'est un paradoxe, c'est une grande ambiguïté. Le fait d'habiter une civilisation, une vision du monde, n'empêche pas d'avancer. Ce qui est présenté sur le plan idéologique par les idéologues, c'est justement que de se revendiquer d'une culture africaine serait vouloir se maintenir hors de l'évolution comme un du handicap, monde. Voilà. Et donc, ça, c'est, il faut on réfléchit aussi sur cette façon qu'on a de nous présenter notre rapport à notre histoire, ou bien notre désir de nous enraciner, ou de dire, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On habite une civilisation comme on habite une présence au monde, etc. Absolument.